Bonjour, que Dieu vous bénisse très 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 abondamment. Eh bien, aujourd'hui je voudrais partager avec nous un sujet qui, je sais que ça va fâcher certaines personnes. Là il s'agit justement du mariage. Et nous allons parler des responsabilités justement qui sont afférentes à l'homme ou à la femme. Et je voudrais qu'on puisse justement avoir un regard un peu plus profond, qui n'est pas superficiel, qui n'est pas culturel, mais un regard divin justement sur ce sens des responsabilités telles que Dieu l'a voulu au commencement. La Bible dit Dieu a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance. Et il dit après, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide, c'est-à-dire une personne qui viendra l'aider. Et donc quand vous avez une aide dans votre maison, une autre dans votre bureau, la personne ne vient pas simplement faire le travail à votre place, la personne vient vous aider à faire le travail qui était le vôtre. Donc c'est important que nous puissions comprendre que dès le commencement, au départ, justement l'homme qui a vécu seul pendant un moment avait la responsabilité de prendre en charge toutes les tâches de la famille, toutes les tâches de la maison. Et ça c'est vraiment important. Donc quand la femme est arrivée, la femme a aidé l'homme à accomplir ses responsabilités. En d'autres termes, toutes les responsabilités justement de la maison incombent à l'homme. Ah, ça va choquer, hein. Incombent à l'homme, c'est-à-dire faire la nourriture, repasser, nettoyer le sol, etc. Toutes ces tâches que habituellement nous donnons aux femmes comme faisant partie des responsabilités des femmes incombent exclusivement à l'homme. Cependant, maintenant, dans le rôle que la femme devra jouer à côté de son mari, elle viendra aider cet homme à accomplir ses responsabilités. C'est-à-dire que la première personne comptable de l'échec de ses responsabilités, ce n'est pas la femme. C'est d'abord l'homme à qui a été assigné la responsabilité de prendre soin de sa maison. Et ça, c'est important. Une fois que vous voyez les choses comme ça et que votre femme vous a fait un repas, hein, vous dites merci que vous trouvez la maison a été nettoyée sous son contrôle. Vous dites merci qu'elle ait participé au nettoyage, justement, de vos habits. Vous dites merci. Et vous allez vous rendre compte que, justement, si vous analysez profondément, même en ce qui concerne la cuisine, quand les hommes sont impliqués dans la cuisine, les hommes sont de bons cuisiniers, les hommes sont de bons coiffeurs, les hommes sont de bons travailleurs, simplement. Et d'être bon technicien de surface. Et donc, c'est aberrant de penser que, bon, voilà, ces tâches-là doivent revenir exclusivement à la femme. Je suis pas en train de dédonner les femmes, ouais, du fait de ne rien faire dans la maison. Non, mais je suis en train de dire aux hommes, il ne faut pas, justement, mépriser l'apport de la femme en tant qu'aide. Aide vis-à-vis des responsabilités qui nous ont été assignées par Dieu dès le commencement. Je pense que si on voit les choses sous ce prisme, sous ce regard, sous cette analyse, ça devrait rendre les choses extrêmement faciles. On va apprécier justement l'apport de nos femmes. Moi, je n'ai aucun problème en tant qu'homme de repasser la chemise de mon épouse, sa robe, quand on veut sortir. Je repasse moi-même mes habits. C'est vrai que je les envoie au pressing, mais bon, s'il faut enlever des plis, j'ai aucun problème avec ça. Voyez-vous, donc c'est avec joie que je participerai au nettoyage des plats. Je le fais habituellement dans la cuisine. Ça, il n'y a aucun problème dedans. Ce n'est pas retardé, ce n'est pas être en attardé, mais c'est simplement comprendre quelles sont les responsabilités qui sont nôtres. Je pense que si nous nous détachons de ce concept erroné de la culture et que nous revenons à la pensée initiale de Dieu en ce qui concerne le mariage, on sera davantage heureux. Il n'y aura pas de complexe, de supériorité, etc. Ça n'enlève rien au fait qu'un homme soit chef, qu'il puisse peut-être un matin décider lui-même de tondre le gazon, de nettoyer le sol de la maison. Ah ben, ça ne change rien, de nettoyer les voitures, parce que c'est lui le chef. Eh bien, le chef montre l'exemple, n'est-ce pas? Bien, c'est tout à fait normal. Donc, l'homme devra montrer l'exemple. Eh bien, bon, c'était là juste une pensée qui m'est montée profondément à cœur. Je voudrais donc vous encourager à méditer là-dessus. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Si vous le mettez en pratique, dans vos familles, vous allez vous rendre compte que les choses se passeront super, super bien. Suis-je en train de dire que les femmes ne doivent pas accomplir leurs responsabilités? Que non, la femme est une aide. Cependant, l'homme devra comprendre que même si la femme l'aide, les responsabilités sont d'abord siennes. Donc, il devrait apprendre à dire merci chérie pour le repas, merci pour mes habits repassés, merci pour la maison qui est propre, merci, 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 merci. Appréciez l'apport de la personne que Dieu a mise à vos côtés au lieu de passer tout votre temps à l'insulter ou à simplement profiter d'elle. Ça, je trouve que c'est assez ingrat. Allez, que Dieu vous bénisse, t'aime. Aujourd'hui, c'est juste une forme de coup de gueule. Hein. Il faut bien qu'on se lève en tant qu'homme et qu'on puisse... surtout nous, les Africains, on est un peu avec la mentalité hein, de la mentalité vraiment rétrograde que nous avons souvent sur certains points. Allez, que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous. Passez une agréable semaine. Que la grâce et la paix du Seigneur vous a multiplié. On se dit à la semaine prochaine. Au revoir. C'était moi, Raoul Wafou. Bye bye.